Voilà un couple auquel on ne s'attendait pas. Nos confrères de Paris Match rapportent pourtant que Pascal Obispo et Sonia Mabrouk ont craqué l'un pour l'autre. Le chanteur et la journaliste politique ont même été aperçus très complices dans les rues du Cap-Ferret. On savait que le Cap-Ferret était un lieu cher à Pascal Obispo. Le chanteur y a passé tous ses étés depuis les années 1970, avant de devenir propriétaire d'une maison en 2004. Il y possède également un atelier d'artiste où il compose en toute tranquillité sa musique. Et si est-il donc très naturellement qu'il a souhaité y emmener sa nouvelle compagne le week-end du 20 mai. Le magazine Paris Match rapporte en effet que Pascal Obispo a profité du week-end de l'Ascension pour faire découvrir sa ville de cœur à Sonia Mabrouk, pour qui il aurait craqué ces derniers temps. Nos confrères ont repéré les deux personnalités complices dans les rues du Cap-Ferret et ont dévoilé des photos dans leur nouveau numéro. Ils affirment ainsi qu'ils forment désormais un couple. Une nouvelle qui a de quoi étonner tant ils font partie d'univers différents. Lui est un artiste au succès qui n'hésite plus à démontrer et elle est une grande journaliste politique qui n'a jamais peur d'aller au front. Ils se rejoignent néanmoins sur un point, ils se sont séparés en 2022. En effet, Pascal Obispo a divorcé de sa femme Julie Hanson après 7 ans de mariage. Le couple s'était uni un 19 septembre 2015 au Cap Ferret lors d'une cérémonie somptueuse en la présence de plusieurs stars et surtout de Sean, le fils du chanteur issu de sa relation avec Isabelle Funaro. Sonia Mabrouk, elle aussi, sortait d'une grande relation lorsqu'elle a eu un coup de cœur pour Pascal Obispo. La journaliste a pendant plusieurs années fréquenté le chef étoilé Guy Savoy. Ils s'étaient rencontrés sur le plateau d'une émission diffusée sur Public Sénat autour des menus de Noël et ce n'est finalement que 5 ans plus tard qu'ils prenaient la décision d'officialiser leur histoire d'amour, malgré leurs 24 ans d'écart et leurs carrières respectives très intenses. Mais au mois de novembre 2022, Sonia Mabrouk confiait à Pure People. Comme que leur couple n'était plus d'actualité. 6 mois plus tard, Guy Savoy s'exprimait pour le podcast La Série de Laurent Arguellier et expliquait que sa vision de l'amour et des relations avait changé depuis leur rupture. Les décennies font que l'exigence est de plus en plus intense, faisait-il savoir. Il assurait même être tout à fait à l'aise avec le célibat. Je suis célibataire et je le vis plutôt très bien parce que je suis tout sauf seul grâce à ce métier, grâce aux rencontres. Je crois que je réalise la vie que j'aime vivre, tout simplement, se réjouissait-il.